Ladies and gentlemen, here is, and just for you, the Twitzo Body Clap! Dans le bureau, il y a une meuf habillée serrée. Ses fringues sont chères, surtout près du mètre carré. Une ficelle et un décolleté. Le tour est joué, filet du blé, et tu verras un big bouquet se faire aspirer. Tu veux me clasher? Ok, je passe en mode ghetto. Ta culotte, petit bateau, je crois qu'elle a jamais navigué. La meuf coincée, même pour un doigt, elle tire la gueule. Et lui, un big bouquet sans trop, qu'elle se sente moins seule. Dans ton bureau, même les stylos ont peur de toi. Ils savent très bien que les mâchouillés, ça te suffit pas. T'aimes bien faire la queue, et pas qu'au supermarché. Si on dit toi que t'es une belle, c'est pour pouvoir bien t'enfiler. Je t'ai ramené un truc stylé de ma dernière balade forestière. Non merci pas, c'est juste une bûche. Mais tu sauras bien quoi en faire. Vu que t'es une... Ouais ouais, il fait chaud. Tiens, si j'enlevais mon haut. Oh non, t'as tout taché mon pareo. Tiens, c'est drôle, parce que justement, j'en parlais à ton gynéco, il me disait... Une meuf si jeune, ménopausée, franchement, c'est chaud. Son mec, c'est Spider-Man ou bien elle dort dans un grenier? En fait, il voulait juste comprendre d'où viennent toutes ces toiles d'araignée. Tiens, un bac à glaçons. Vas-y, t'as plus qu'à mettre de l'eau. Si tu t'assois dessus 10 minutes, ça devrait être prêt pour l'apéro. Vu que t'es young. Mais il fait froid. Oh, j'arrive plus à bouger mon doigt. Bien sûr que je dors en pyjama. Tu me fais pitié, s'il te plaît. Arrête de tweeter. Lâchez-lui la thune, qu'on voit si elle est épilée. Un bon investissement, ce serait plutôt un sécateur. Je pense qu'il faut bien ça pour te faire péter les adducteurs. 5 euros la passe. Et 2 boules de glace. Ramène tes potes, y'a de la place! Oh merde, tu te rends! Lâchez de la maille et faites la terre!